L'objectif du projet Équitaction, c'est d'offrir aux élèves qui fréquentent le secteur de l'adaptation scolaire une expérience enrichissante avec un cheval. Comment ça procédait? Qu'on procédait, c'est que la moitié du groupe vivait l'expérience avec le cheval, tandis que les autres apprenaient, étaient en apprentissage dans le ranch au deuxième étage avec moi. Donc, on travaillait certains apprentissages qui étaient ciblés au niveau des mathématiques et du français. Aimez-vous mieux faire des maths ici ou à l'école? Ici. Ici. Ici? Ici, parce que... N'importe où, des maths, c'est bon, c'est fun. Oui. Moi, j'aime bien ici, on le fait avec des animaux, ces choses-là. Mais pas comme moi. Ça leur a permis de vivre des réussites énormes. Ça a été vraiment quelque chose. Maintenant, on va voir au niveau de l'acidité avec les résultats, au niveau de la présence scolaire. C'est de 4 à 8, c'est pas que tu fais 4 à 8. Quand ils viennent ici, c'est qu'ils sont complètement différents que dans la classe. Les choses qu'on voit en classe sont plus pareilles comme ici en équitation sur le cheval. On voit des comportements très différents, plus adaptés. Des comportements qu'on ne verra pas en classe tout le temps, bien ici, on les voit différemment. Entre autres, des filles qui n'osent pas s'exprimer ont commencé à monter le cheval et par la suite, sont capables de prendre position en classe, sont capables de dire leurs commentaires, sont capables de s'affirmer, sont capables d'être plus attentifs en classe. Juste avant de venir, sont en classe, vont faire des efforts pour ne pas rater l'équitation en après-midi. On voit des collaborations différentes entre eux autres, un peu plus de respect. Ça reste encore à travailler. Mais on voit d'évolution de ce côté-là. Méthodologie, 24 élèves ont été choisis sur 40 en début d'année. On ciblait les élèves qui avaient des difficultés de comportement essentiellement. Le cheval avait comme effet d'amener le jeune à prendre conscience de leur comportement. Avec un cheval, on ne peut pas parler fort, on doit faire attention à nos comportements lorsqu'on est après, puis on a vu de très beaux résultats. Vivre aux élèves un apprentissage qui s'effectue en dehors de l'école, donc 20 fois par durant l'année. Les jeunes étaient invités à aller travailler au ranch. Bien. 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 B
Ça crée aussi des liens entre les élèves, s'entraider. Il y en a qui étaient plus à l'aise avec les apprentissages. Donc, entre eux, c'est des... Regarde, ici en avant, c'est nettoyé. Mais okay. Allez! Merci. Merci. Tu voulais qu'il y en a rien? Tu sais comment on les met? Oui. C'est qui? C'est... Comment ça s'appelle ce que tu installes, c'est ça? Les protège-pattes. C'est pourquoi il se cogne des pieds, ça le fait pas mal. Là, c'est quoi tu fais, là? Ben, je me brosse. Qu'est-ce que t'aimes le plus, Catherine? Ben, c'est quand je monte à cheval. Qu'est-ce que vous apprenez? On apprend le trot, on apprend comment marcher, comment le tourner, comment le tourner à gauche, à droite, comment le faire avancer, comment le faire... C'est quel ton cheval préféré? Tom. Tom. Hein, Tom? C'est quoi son nom à lui? Ben. Ben? Tu veux monter, Ben? Ouais. Moi, je suis celui qui l'a monté le plus souvent ici. Il est gentil? Toi? Ben, ça dépend du monde. C'est ce que moi, je trouve que c'est le cheval que j'aime le plus. Pas nécessairement parce qu'il est gros, il est musclé, mais je sais pas, moi, c'est plus mon style de cheval que d'autres choses. Quand il est gros, il est fort comme ça, je vais être sûr de pas perdre le contrôle avec. Regarde, ce qui est plus facile, là, c'est que cette main-là, regarde, attends un petit peu, lâche. Cette main-là, il faut qu'elle vienne ici. Là, il est attaché, fait que ça va être... Ça a augmenté la confiance et l'estime de certains jeunes. Pour certaines petites puces, entre autres, ou de voir un animal de 500 kilos de monter sur leur dos, ça crée des résultats vraiment magnifiques au niveau personnel. Au niveau social, ils ont vécu avec des moniteurs qui ne font pas partie du contexte des intervenants scolaires. Donc, apprendre à gérer tout ça. Ce programme-là permet aux élèves... d'aller par une approche innovante, une approche différente, de travailler la motivation, de travailler l'absentéisme, l'assiduité, de travailler l'estime de soi aussi. Donc, c'était un des objectifs du projet.